je vous propose de voir comment ganser, puisque c'est une technique qui va pas mal revenir tout au long de ce projet. Donc déjà, ganser, ça signifie poser un biais à cheval sur le bord d'un tissu pour tout simplement en assurer la finition. Donc, comme je l'ai déjà fait ici sur les emmanchures, le biais reste donc apparent sur l'endroit et sur l'envers du tissu puisqu'il en assure la finition. Il est posé sur le bord donc de ma pièce et il n'y a pas de marge de couture puisque le biais vient recouvrir l'endroit et l'envers. Alors la première chose à faire, ça va consister à préparer votre biais. Donc votre biais est comme ceci, je vais garder les deux plis du côté et je vais replier un côté plus petit que l'autre de 1 à 2 mm et je vais marquer ce dernier pli au fer. Donc là vous voyez que mon biais a bien un côté plus petit que l'autre. Alors petite astuce, si vous avez un biais relativement fin par rapport à l'épaisseur de votre tissu, comme par exemple ici j'ai un biais de 20 alors que j'ai un tissu moumoute là, donc assez épais, et bien dans ce cas je vais insister sur ce décalage et au lieu de faire un décalage de 1 à 2 mm, je vais plutôt faire un décalage de 2 à 3 mm. Donc je marque ce pli avec ce décalage sur tout le long de mon biais. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon biais pour le positionner sur le bord à finir et je vais commencer par m'occuper du côté le plus étroit. Donc, je vais l'ouvrir et ce côté le plus étroit, je vais le positionner bord à bord avec mon tissu et je vais démarrer à un endroit qui sera peu visible puisque c'est ici que je réaliserai le raccord entre les deux extrémités du biais. Donc, je le positionne endroit contre endroit et bord à bord. Je positionne une seule épingle et je vais directement aller le piquer sans épingler la suite en piquant ici dans le repli qui est marqué, toujours en le positionnant petit à petit bord à bord et en l'étirant très légèrement. Donc on va passer à la machine à coudre pour bien vous montrer comment poser ce biais. Alors, je vais commencer ma couture à quelques centimètres de son extrémité, à la place de mon épingle, que je retire. Et donc là, je vais le positionner petit à petit, en l'étirant un petit peu. Alors, sur ce projet particulièrement, je vais un peu plus l'étirer à la fois sur toute la ligne du bas du vêtement et également au niveau de l'encolure pour insister sur son effet boule. Donc là, je le tire un peu plus que d'habitude pour le positionner bord à bord. Donc à l'aide de mes deux mains, je commence par le positionner sur les 5-6 cm qui arrivent sur mon pied de biche. Je maintiens avec mes doigts, je pique, je m'arrête et je continue. Je le positionne sur les 5-6 cm devant mon pied de biche et je pique. Et donc là, tout en l'étirant plus que d'habitude, puisqu'il s'agit là de la ligne du bas que je souhaite resserrer un peu plus pour insister donc sur cet effet boule. Attention en revanche ici, au niveau des courbes, là il ne faut surtout pas étirer le biais et bien au contraire. Donc de la même façon, je positionne, donc je le laisse aller bien bord à bord, je laisse un peu de mou, je le tiens avec mes doigts uniquement. Donc là, je lui fais épouser la forme, puis ensuite, je redresse l'ensemble pour me permettre de piquer plus facilement. Et là, je peux avancer juste tous les 2-3 cm pour assurer une jolie finition sur cet arrondi. Là, je le maintiens, je redresse autant que possible et je continue à piquer toujours dans le pli qui a été marqué au fer.
vous voyez, je prends vraiment mon temps sur la courbe. Je peux aller un peu plus vite dans la ligne droite. Alors là, j'arrive dans la ligne droite qui se situe au niveau du devant. Et donc, je n'ai pas besoin de l'étirer particulièrement. Juste un tout petit peu, comme d'habitude. Et je continue de le positionner, de le piquer de cette façon sur tout le tour, jusqu'à ce que mes deux extrémités soient proches l'une de l'autre. Et là, on va voir comment faire un rapport. Et maintenant, donc lorsque ma deuxième extrémité de biais ici arrive proche de la première, je vais totalement déplier le biais du côté déjà piqué et je vais le plier à 45 degrés en le bloquant sur la couture. Donc je le plie de cette façon. Et la deuxième extrémité du biais va passer par-dessus, où là je vais continuer ma couture. Et à ce niveau-là, au niveau de la couture de la première extrémité, en fait, je vais rentrer ma nouvelle couture d'un millimètre dans la marge de couture. Donc au lieu de piquer à 1 du bord, je vais piquer à 0,9. Et là, je fais un point d'arrêt. Voilà ici la couture du deuxième, de la deuxième extrémité qui rentre un petit peu à l'intérieur par rapport à la couture de ma première extrémité. Maintenant, je vais pouvoir recouper mon biais et on va voir comment faire le raccord. Donc ensuite, j'ai coupé la deuxième extrémité du biais, donc je suis environ à 1-2 cm de la première extrémité, un petit peu plus long. Maintenant, je vais tous les deux entièrement les déplier et je vais rabattre la première extrémité sur la deuxième. Donc, première extrémité toujours pliée à 45 degrés. Et ici, je vais positionner toutes les épaisseurs bien bord à bord. J'épingle. De façon à les maintenir bord à bord. Et je vais maintenant piquer ici à 2 mm sur le repli qui a été fait à 45 degrés. Et donc voilà tout simplement le raccord qui est maintenant terminé. Et ensuite, je vais pouvoir recouper le surplus de matière à 5 mm de la couture pour limiter les surépaisseurs. Alors, petite particularité quant à la pose du biais sur cette poche. Donc là, j'ai réalisé ma première couture donc, qui a permis d'assembler le biais. Ensuite, aux extrémités, avant de le replier sur lui-même, je vais replier ce qui dépasse vers l'envers de la poche pour enfin replier le biais sur lui-même totalement. Donc là, je peux poser une épingle et ensuite, je reprends la pose du biais de façon classique et ça permettra donc d'avoir de jolis angles joliment terminés en haut de la poche. Et ensuite, donc une fois que la première couture a été faite, que le raccord a également été terminé, je vais pouvoir, pourquoi pas déjà, retirer les effilochures, là, si elles me gênent. Bon, ce ne sera pas nécessairement gênant, mais parfois ça peut l'être. Pour ensuite retrouver les plis de mon biais, replier selon ces plis qui ont été marqués au fer. Et là, je dois vraiment bien prendre tout
tout le bord du tissu. Et mon biais doit même venir recouvrir la couture que j'ai faite précédemment. Donc là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est positionner des épingles qui vont permettre de parfaitement bien maintenir le biais sur cette couture. Donc je pique mon épingle à 2 mm du bord du biais et je dois en principe arriver dans la couture. Donc ça, c'est une étape qui va être un peu fastidieuse, mais qui est vraiment très importante pour vous permettre de finaliser la pose du biais et d'avoir un joli rendu. Au niveau des arrondis, si j'en ai, eh bien, je peux m'aider du fer à repasser pour donner une jolie forme à mon biais qui est très malléable. Voilà, donc je réalise cet épinglage très minutieux sur tout le tour. Et ensuite, je pourrais me mettre à la machine pour piquer dans le sillon de la première couture. Donc je vais essayer de ne pas surpiquer mon biais, c'est moins joli. Je vais piquer ici dans le sillon tout en retirant les épingles petit à petit avant d'arriver dessus. Et donc, grâce à un bon épinglage, ça permettra de prendre la deuxième épaisseur de mon biais. Alors attention, je voulais revenir sur le sens dans lequel vous allez poser les épingles, qui est vraiment très important à déterminer avant de les poser, bien sûr, et surtout avant de passer à la machine, puisque si elles sont dans le mauvais sens, ça va être très difficile de les retirer petit à petit avant d'arriver dessus. Donc la première chose à voir, c'est dans quel sens est-ce que vous allez piquer votre gilet. Donc là, moi, je vais piquer dans ce sens-là, d'ici vers là-bas, et donc je vais positionner la pointe de mes épingles à l'opposé, c'est-à-dire que je vais mettre les pointes vers là-bas. Ce qui fait que quand je vais arriver dessus avec ma machine à coudre, je vais trouver d'abord la pointe et ce qui va me permettre d'attraper la tête de l'épingle pour la retirer facilement. Donc voilà dans quel sens j'aurais dû les mettre. Donc là, moi j'ai déjà piqué, mais je les ai remises. Donc la pointe est bien vers ici. Et à noter que vous auriez aussi pu les mettre de l'autre côté, donc dans ce cas, dans le sillon de la couture du biais, pour venir prendre derrière, attraper 1 ou 2 mm du biais qui a été retourné. Donc ici, vous avez ma couture donc, sur le biais qui se trouve à 2 mm du bord du biais, donc qui permet de parfaitement l'attraper. Et du côté de ce biais-là, alors parfois j'ai un peu débordé sur le biais, j'étais pas complètement dans le sillon, mais bon, c'est pas très grave, surtout avec ce tissu où la moumoute va venir cacher mon point. Mais sinon, c'est vrai que c'est encore plus joli, je trouve, quand on pique vraiment parfaitement dans le sillon, surtout si ça a tendance à se voir. Et donc voilà maintenant le biais qui est piqué sur tout le tour. Alors, petite précision, pour avoir un joli rendu au niveau du biais, donc quand il s'agit de ganser, il faut que le biais soit bien plein, bien rempli. Donc, il ne faut surtout pas dégarnir la marge de couture que j'ai à l'intérieur. Plus il sera bien plein, bien rempli, et moins le biais pourra vriller, en fait, au moment de réaliser la deuxième couture. Alors pour ce projet, il vous faudra déjà bien sûr un tissu principal. Donc moi j'ai choisi ici une imitation mouton. Donc voilà l'envers du tissu, ça vous permettra de bien l'identifier à l'écran. C'est un modèle qui sera de préférence doublé pour assurer des plus jolies finitions et donc en tissu secondaire pour faire office de doublure. Moi j'ai choisi ici un coton, donc c'est même une double gaze en coton. L'idée c'est d'utiliser vos chutes. Mais là, la doublure, elle va être posée d'une façon très très simple. Donc elle va être posée à plat et piquée à plat avec le tissu principal pour ensuite border le tour, ganser le tour, c'est-à-dire poser un biais apparent sur tout le tour. Donc c'est vraiment la façon la plus facile de poser la doublure.
Ma doublure est comme ceci sur l'envers et sur l'endroit, on voit les broderies un peu mieux, mais pour vous permettre d'encore mieux identifier l'endroit de ma doublure, j'apposerai à chaque fois une petite étoile dorée. Voilà, il vous faudra ensuite du biais, donc pour ganser tout le tour du gilet. Alors voilà, ici moi j'ai décidé de mélanger les couleurs et les motifs, donc je vais faire un mix de biais selon l'endroit où je vais le poser. Ensuite, il vous faudra du thermocollant, alors du thermo très fin. Ici, j'ai choisi un thermo qui est vraiment assez souple, puisqu'il se prête bien à cette matière qui est quand même assez souple. Elle n'est pas très extensible, mais elle a quand même une certaine souplesse pour ce gilet qui est possible de réaliser soit en chaîne et trame, soit en maille comme ici, mais une maille qui est quand même de la tenue, donc qui ne soit pas trop lâche. Et ensuite, il vous faudra 5 boutons. Alors moi, je ne les ai pas encore choisis, mais on verra ça dans un second temps. Alors avant de passer à la machine, on va bien sûr commencer par préparer toutes les pièces. Donc je les ai coupées dans mon tissu, dans ma doublure. Et j'ai également reporté les différents crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc un cran, ça se reporte de cette façon. Voilà, c'est une petite fente que l'on réalise dans la marge de couture de quelques millimètres de long. Et un cran, c'est un repère pour le montage. Donc ça va m'être utile au moment d'assembler deux pièces. J'en ai à plusieurs endroits. Et alors, pensez bien également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple ici le dos, au niveau de son pli, donc de son milieu. Là aussi, j'ai réalisé un petit cran. Ensuite, il vous faudra reporter les différentes pinces, donc comme ici par exemple sur le dos. J'ai une pince sur l'épaule et une pince en bas. Donc les pièces étant identiques entre tissu et doublure, j'aurai à chaque fois ces pinces à reporter. Reportez-les bien sur l'envers du tissu, pas sur l'endroit. Et alors pour les reporter, vous avez différentes façons. Soit bien comme ici, j'ai piqué mon patron superposé par-dessus mon tissu avec une épingle. Et en dessous, j'ai marqué au crayon un petit point à chaque extrémité. Et ensuite, j'ai tracé des lignes. Donc là, au critérium. Sinon, en fonction des tissus, vous pouvez utiliser par exemple un crayon craie, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai une craie. Ou bien un stylo effaçable. Enfin, voilà, il y a différentes façons de marquer les choses. Mais comme ici, on est sur l'envers du tissu, c'est pas du tout grave si vous utilisez un bic, par exemple, et que ça ne part pas, ce ne sera pas gênant. Ensuite, toujours dans la préparation des pièces, au niveau des devants, j'ai thermocollé une bande de 4 cm de large sur toute la longueur et aux extrémités, je l'ai recoupée en arrondi, donc pour suivre la forme de ma pièce. Et enfin, j'ai fait de même sur mes devants doublures. Donc là aussi, j'ai thermocollé une bande de 4 cm de large sur l'envers de la doublure. Donc ça permet de solidifier cette partie-là puisque c'est là que se trouveront les boutonnières et les boutons. On va maintenant pouvoir s'intéresser à la poche plaquée. Alors dans ce modèle, je vous propose deux finitions de poche plaquée, soit avec doublure prise en fourreau, donc comme on va le voir avec ce tissu, soit avec une finition gancée, comme on le verra avec le tissu montré précédemment. Donc dans les deux cas, ce sera un peu plus facile à réaliser que la poche paysanne, surtout si votre tissu est un peu épais et un peu du type moumoute. Alors, pour démarrer cette poche plaquée avec doublure prise en fourreau, je vais placer mes deux pièces endroit contre endroit. Donc vous avez ici les deux endroits. Je les superpose et je vais épingler la ligne du haut en faisant correspondre le cran. Alors sur cette finition, la poche doublure est plus petite que la poche tissu. C'est pour avoir une doublure parfaitement invisible une fois la poche terminée. Donc je fais correspondre les extrémités.
après avoir mis une épingle sur le cran du milieu. Et ici, je vais piquer sur cette ligne. Et celle-là, uniquement dans un premier temps, je vais piquer à 1 cm. Ensuite, une fois que le haut des poches a été assemblé, j'ai plaqué au fer les marges de couture vers la doublure et je les ai sous-piquées en place. C'est-à-dire que je les ai piquées côté doublure à environ 2 mm de la couture précédente. Maintenant, je vais repositionner l'ensemble toujours endroit contre endroit. Je vais commencer par faire correspondre les différents crans. Donc, la doublure est plus petite, donc ça tire, c'est normal. Je vais d'ailleurs pouvoir tirer légèrement sur la doublure au moment de piquer, de façon à faire correspondre les longueurs. Donc, à minima, je pose des épingles au niveau des crans. Je peux en rajouter, bien sûr, un peu plus, si ça peut m'aider pour le montage. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir piquer sur tout le pourtour de la poche à 1 cm. Et donc, je continue à les positionner bord à bord. Puis une fois que le pourtour de ma poche est piqué, j'ai retiré les épingles, j'ai passé un coup de fer. Et maintenant, je vais ouvrir cette couture sur la ligne du bas sur environ 3-4 cm. Ça va me permettre de la retourner sur l'endroit dans un deuxième temps. Donc voilà qui est décousu. Et avant de la retourner, je vais diminuer la largeur de la marge de couture au niveau des arrondis de moitié. Donc je la recoupe. Je vais un petit peu au-delà des arrondis. Et je la réduis bien de moitié. Voilà, je peux également dégarnir les angles du haut, simplement pour diminuer les surépaisseurs. Alors moi, j'aime pas trop recouper les coutures, ce qui fragiliserait ma poche. Et une fois que c'est fait, je vais maintenant donc pouvoir la retourner sur l'endroit par l'ouverture que je viens de créer. Alors voilà ma poche qui est fraîchement retournée, donc là c'est pas très joli. Je vais maintenant travailler les deux angles et les arrondis ici. Donc pour les angles, je peux m'aider soit de ce type d'outil, c'est un retournangle il me semble. Donc je le passe par l'intérieur et je pousse la matière, tout simplement pour avoir un angle un peu mieux ressorti. Voilà, soit sinon je peux aussi m'aider d'un poinçon, donc une pointe métallique qui permet de pousser ou d'attraper le tissu sans l'abîmer afin de mieux, là aussi, faire ressortir mon angle. Donc je travaille soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Et ensuite, au niveau des arrondis, donc là je vais faire rouler sous mes doigts la petite marge de couture qui me reste. Donc je peux humidifier mes doigts et la faire rouler pour avoir un bel arrondi. Et ensuite, je peux bien sûr m'aider du fer pour bien positionner l'ensemble. Et enfin, dernière chose, donc là, je vais retrouver les plis marqués de ma couture faite à 1 cm. Je vais rentrer à l'intérieur cette marge de couture et je vais pouvoir refermer cette ouverture au moyen d'un point coulé réalisé à la main. Et je vous renvoie pour cela vers une méthode qui vous explique précisément cette méthode à retrouver en scannant le QR code sur la notice de montage. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma poche est terminée. J'ai refermé l'ouverture avec un point main et je me suis aidée du fer pour bien lui donner sa forme finale. Et là, le fait que la doublure soit plus petite, ça permet à cette dernière, donc à la doublure, de bien rouler vers l'envers et donc d'être parfaitement invisible
sur l'endroit de la poche. Alors, on va maintenant pouvoir réaliser la poche plaquée avec finition gansée, qui est clairement la plus facile à faire. Et elle sera quand même de préférence doublée, comme je l'ai fait ici. Donc, ce sont les mêmes pièces à couper, tissu et doublure. Là, je retrouve mes différents crans, comme ici par exemple. Et je positionne mes deux poches envers contre envers, bord à bord, autant que possible. Hein. Il se peut parfois que le tissu ait un peu bougé au moment de la coupe. Là, j'épingle et je fais correspondre mes différents crans. Donc, sachant que le double cran va correspondre au devant, c'est-à-dire que cette partie-là devra être orientée vers le devant puisqu'il y a bien une poche droite et une poche gauche. Donc là, je mets vraiment autant d'épingles que je souhaite. L'idée, c'est d'être le plus à l'aise possible au moment de piquer. À partir du moment où mes épingles sont positionnées perpendiculairement à ma future couture, ce ne sera absolument pas gênant. Voilà. Alors maintenant, s'agissant d'un tissu moumoute, donc avec pas mal d'épaisseur et notamment des petits poils sur le côté, moi, je vous recommande déjà de commencer par les passer entre vos doigts, donc comme ceci, pour retirer un peu le surplus de matière. Voilà, là on voit des petits poils qui se détachent. Donc sur tout le tour, hein, il faudra faire ça sur chaque couture. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est écraser la poche, comme ceci, et recouper, pareil, hein, toute la moumoute qui dépasse, qui sera un peu gênante quand même au moment de coudre. Donc là, je retire un peu ce surplus de matière. Ça me permettra aussi d'être plus précise sur mes coutures et de les faire à la bonne distance du bord. Donc voilà, je fais le tour de ma poche pour retirer un peu de matière. Donc ça, c'est vraiment dans le cas spécifique de la moumoute ou des tissus type fausse fourrure qui sont un peu épais. Voilà, donc là, c'est plus propre, ça va être plus facile de piquer. Et maintenant, je vais pouvoir glacer ces deux poches, donc c'est-à-dire piquer dans la marge de couture. Donc les marges de couture sur ce projet, elles sont partout de 1 cm. Quand il y en a, et je vais donc piquer dans la marge de couture, donc c'est-à-dire à 5-6 mm du bord sur tout le tour. Alors attention, piquer de préférence en mettant le tissu, enfin la doublure posée sur la machine, hein, avec le pied de biche qui vient par-dessus ici, puisque quand on pose le tissu moumoute sur la machine, en fait ça a tendance à pas très bien glisser. Donc on se met comme ceci, pied de biche posé là et on pique à 5-6 mm sur tout le tour. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ça a été piqué sur tout le tour. Donc le plus difficile, ça va être ici au niveau des arrondis. Donc c'est pas grave si je ne suis pas très régulière, mais bon, il ne faut pas que je pique trop loin non plus, à plus de 5-6 mm du bord. Sans quoi la couture sera visible, même une fois la poche gansée. Et donc maintenant, je vais donc pouvoir ganser ce pourtour de poche et je vais commencer par la ligne du haut. J'ai donc commencé par ganser la ligne du haut, j'ai recoupé aux extrémités. Et maintenant, je vais pouvoir ganser le pourtour en laissant dépasser le biais à chaque extrémité, donc ici et là, de 1 cm. Alors, petite particularité quant à la pose du biais sur cette poche. Donc là, j'ai réalisé ma première couture donc qui a permis d'assembler le biais. Ensuite, aux extrémités, avant de le replier sur lui-même, je vais replier ce qui dépasse vers l'envers de la poche pour enfin replier le biais sur lui-même totalement. Donc là, je peux poser une épingle et ensuite, je reprends la pose du biais de façon classique et ça permettra donc d'avoir de jolis angles joliment terminés en haut de la poche. Et ensuite, que vous ayez choisi l'une ou l'autre des deux poches plaquées, on va pouvoir la positionner maintenant sur le devant et on va la mettre à 4 cm de la ligne du bas.
Donc je mesure. Et à 5 cm du devant. Donc alors, il y a une poche droite et une poche gauche. Elles n'ont pas exactement la même forme. Bon, c'est des formes très proches. Mais si vous voyez que votre poche tombe pas très bien, inversez les deux poches. Après, si jamais vous vous trompez, c'est pas très grave, ça ne changera pas grand-chose non plus. Donc une fois que je l'ai positionné correctement, je l'épingle. Et pour cette poche plaquée avec doublure prise en fourreau, je vais pouvoir réaliser une surpiqûre sur tout le tour à 2 mm du bord. Et donc voilà ma poche plaquée avec doublure prise en fourreau qui est assemblée sur mon devant. Donc ici on aperçoit le point, donc piqué à 2 mm du bord en parallèle, qui a permis de fixer ma poche. Et pour l'assemblage de la poche gancée, je vais non pas surpiquer à 2 mm, mais je vais plutôt piquer dans le sillon de la couture de mon biais. Donc je vais piquer ici de façon à avoir une couture invisible et je pique sur tout le tour. Alors la petite particularité d'un tissu moumoute comme ça, c'est qu'au moment de piquer, on va essayer de ne pas prendre trop de fourrure. Et donc je vais dégager en fait la ligne sur laquelle je dois piquer en positionnant les poils de la fourrure de l'autre côté. Donc je les pousse comme ceci pour me permettre de piquer tranquillement en essayant d'en prendre le moins possible dans ma couture. Si vous avez choisi l'option poche paysanne ou poche passepoilée, donc comme ici, je vous renvoie vers la vidéo qui est dédiée à cette méthode que vous retrouverez en flashant le QR code qui se trouve sur la notice de montage. Alors, petite astuce pour les poches passepoilées qui doivent être réalisées dans des tissus épais. Au lieu de couper l'un des deux sacs de poche dans le tissu, j'ai coupé mes deux sacs de poche en doublure. Et sur celui qui devait être coupé en tissu, donc celui-ci le plus grand, j'ai tout simplement recoupé une bande de tissu de 4-5 cm de large que je suis venue glacer bord à bord ici sur la partie droite. Donc ça permettra d'avoir une poche moins épaisse mais en même temps d'avoir une entrée de poche très jolie puisqu'on ne verra que le tissu qui sera donc ton sur ton avec mon devant. On va maintenant pouvoir piquer les pinces que vous avez reportées sur l'envers du tissu et de la doublure si vous avez bien suivi les étapes préparatoires. Donc elles sont ici. Là, je l'ai déjà piqué de ce côté-là et je les ai piquées également sur les épaules et idem sur le tissu. Je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc je retrouve ici mon tracé. Je vais plier mon tissu endroit contre endroit en mettant ce point-là, son extrémité, au milieu. Et là, je vais superposer mes deux lignes. Donc de façon à précisément les superposer, je vais les épingler. Et je vais positionner la pointe de l'épingle vers l'extérieur du tissu. Donc là, je mets mes tissus bord à bord. Je pique ici et en principe, je dois arriver dans le trait. Donc si ce n'est pas le cas, je replie différemment pour retomber là précisément dans le trait de la pince de l'autre côté. Donc j'en positionne tout le long. Donc là je positionne bien l'extrémité de ma pince sur mon pli. Donc là je peux en mettre deux ou trois sur cette longueur de pince. Et ensuite, je vais pouvoir la piquer en démarrant ici, donc au niveau de l'extrémité du tissu. Je retirerai les épingles petit à petit avant d'arriver dessus. Et à la fin de la pince, tout simplement, je vais sortir. Donc, je vais basculer le tissu pour ne plus le piquer. Et là, je vais piquer dans le vide quelques points puisque je laisserai cette chaînette qui va se créer d'environ 2 cm. On va voir maintenant à la machine ce que ça donne.
Je voulais vous montrer également ce que donne l'épinglage de la pince sur le tissu moumoute. Alors c'est pareil, hein, c'est un peu plus impressionnant on va dire parce qu'il y a beaucoup de matière, mais en fait ça se fait très bien. Donc pareil, hein, je plie ici, je positionne l'extrémité sur mon pli et là j'épingle de façon à retomber sur la ligne de l'autre côté. Hop, voilà. Là, je peux mettre plus ou moins d'épingles, ce ne sera pas gênant puisque de toute façon, je vais les retirer avant d'arriver dessus. Voilà, et maintenant, on va à la machine pour voir comment piquer ça. Et donc, je vais piquer cette première pince. Donc, je démarre ici. Alors là, comme j'ai un tissu qui va avoir un peu du mal à glisser, je peux m'aider d'un poinçon, donc c'est cette pointe métallique, pour attraper le tissu et l'aider à partir vers là-bas. Là, je la grippe et je le tire pour l'aider à faire un bon démarrage de couture. Voilà. Ensuite, je retire les différentes épingles, je pique sur ma ligne. Là, j'arrive ici sur l'extrémité de la pointe. Donc là, à ce niveau-là, je ne prends plus que un ou deux fils de mon tissu. Et très rapidement, je vais sortir de la pince. Et donc là, je pique dans le vide sur quelques centimètres, quelques points. Et maintenant, je vais pouvoir piquer. Donc là, j'ai comme une chaînette qui s'est formée. Je vais la laisser. Elle permet de solidifier ma pince. Je vais la piquer à 2-3 centimètres de ma pince et donc voilà ce que ça donne. Donc là je suis quasiment sur le trait, peut-être un millimètre plus loin, c'est vraiment pas très gênant. Voilà, ma pince est maintenant piquée et la même chose pour la doublure. Et une fois que toutes mes pinces sont piquées, je plaque leurs ressources, c'est-à-dire le surplus de tissu induit par la création de la pince. Donc sur le tissu, je plaque leurs ressources vers le milieu, donc ici, là, et idem pour les épaules, je les plaque vers le milieu. Et ensuite, je vais glacer, comme j'ai déjà fait ici, l'extrémité de la pince, donc en fait de la ressource, au moyen de quelques points ici piqués dans la marge de couture, de façon à la maintenir positionnée sur le bon côté. Pour la doublure, en revanche, je vais plaquer la ressource des pinces à l'inverse, c'est-à-dire non pas vers le milieu, mais au contraire vers les extrémités. Et pareil, je glace leur extrémité. Donc là, vers l'emmanchure et là également vers l'emmanchure. Puis je vais pouvoir épingler mon dos avec mes devants, endroit contre endroit, donc tissu d'une part et doublure d'autre part. Donc je vais pouvoir épingler les épaules. Donc là, je fais correspondre les extrémités. Je fais correspondre également le cran que je retrouve au devant qui correspond à la couture de la pince. Et enfin, l'autre extrémité. Alors, au moment d'épingler, puis ensuite au moment de piquer, je fais vraiment très attention à ne pas étirer ces lignes, puisque là, elles peuvent potentiellement se déformer. Donc vraiment, je fais attention à ne pas étirer quoi que ce soit. Et donc pareil sur l'autre épaule. Et enfin, même chose également sur la ligne du côté. Là, ce sont deux lignes droites, les longueurs sont parfaitement identiques. Donc c'est très simple, j'épingle les extrémités et je peux en positionner un peu plus sur la longueur pour être plus à l'aise si besoin. Donc je fais pareil ensuite sur la doublure. Et sur ces lignes-là, je vais maintenant pouvoir piquer à 1,5 cm pour ensuite ouvrir la couture au fer. Et donc voilà ce que ça donne une fois que les coutures sont faites puis ouvertes
à l'aide du fer. Donc ça se positionne très bien, donc sur les côtés, sur les épaules. Donc tissu d'un côté et doublure de l'autre. Maintenant, je vais pouvoir positionner tissu et doublure envers contre envers en faisant correspondre tout ce qui doit correspondre, donc c'est-à-dire les emmanchures. Donc je positionne tissu et doublure parfaitement bord à bord. Et je vais épingler l'ensemble. Donc je retrouve ici par exemple sur le haut du dos, je retrouve un cran puisque c'est une pièce. Enfin là, ce sont deux pièces qui avaient été coupées au pli. Donc j'avais marqué le milieu des pièces d'un cran. Donc là, je les épingle. Et donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vais faire vraiment tout le tour du gilet, que ce soit au niveau de tout son pourtour comme au niveau des emmanchures. Donc là, en fait, ce sont deux gilets identiques, tissu et doublure. Ça va simplement permettre d'assurer une plus jolie finition, je trouve. Après, la doublure n'est pas complètement nécessaire. Et donc, je continue l'épinglage sur tout le tour. Donc là encore, je peux mettre autant d'épingles que possible. À partir du moment où elles sont posées perpendiculairement à ma future couture, il n'y a pas de souci. Donc là, les longueurs sont identiques, les formes également, donc pas de surprise, tout doit parfaitement bien s'assembler, se positionner. Et une fois que l'épinglage est terminé, je vais pouvoir piquer donc sur tout le tour d'un seul tenant, donc le bas du vêtement, l'encolure, etc. Et ensuite, je pourrai piquer donc de la même façon mes emmanchures. Donc là, c'est pour ces piqûres là, je vais tout simplement glacer, donc c'est-à-dire piquer quelques points dans la marge de couture et donc à 5-6 mm du bord. Le but, c'est simplement de maintenir mes deux épaisseurs bien superposées, puisque la dernière étape consistera à ganser chacune de ces coutures. Donc là, je me mets bien à plat, c'est toujours aidant. Je peux mettre du fer à repasser également. Et là encore, attention à ne pas étirer mes lignes, à ne pas les déformer, ni au niveau, ni au moment de l'épinglage, ni au moment de la couture. Donc, il ne faut pas que je tire sur le tissu au moment de le piquer. Alors voilà mon épinglage qui est terminé, donc j'ai rajouté pas mal d'épingles, j'ai pris mon temps pour le faire bien soigneusement, tout mettre bien bord à bord. Et sinon la technique pour épingler deux lignes ensemble, c'est toujours la même, c'est de commencer par positionner des épingles aux extrémités, puis faire correspondre tout ce qui doit correspondre, donc parfois les coutures, comme ici par exemple, la couture de côté, ou là la couture de l'épaule, faire correspondre l'écran, par exemple au milieu dos. Ici derrière, j'ai fait correspondre les coutures de la pince. Donc je mets d'abord les épingles à ce niveau-là et ensuite j'en rajoute beaucoup plus, donc autant que je souhaite, entre les épingles prioritaires, on va dire, que j'ai déjà positionnées. Voilà, et donc maintenant je vais piquer à tous ces endroits à 5-6 mm du bord. Et voilà donc tout le pourtour du gilet qui a été glacé. Donc grâce au bon épinglage, c'est allé tout seul. Et là, j'ai piqué à 5-6 mm et tout se positionne parfaitement bien. Voilà, j'insiste vraiment sur l'épinglage et la préparation des pièces avant de passer à la machine. Ça va vous assurer 90, si ce n'est pas 99% de réussite de votre couture. Et ensuite, j'ai réalisé une finition gansée sur les emmanchures et sur tout le pourtour du gilet, donc d'un seul tenant, encolure dos, encolure devant, les devants et le bas du vêtement. Alors, petite particularité pour ce modèle, j'ai étiré mon biais au moment de réaliser la première couture, plus que d'habitude, hein, puisque d'habitude, quand je ganse, j'étire à peine mon biais lors de la première couture. Là, je l'ai tiré un peu plus à trois endroits clés. Le premier, c'est sur les emmanchures. Ensuite, c'est sur l'encolure dos
et enfin sur la ligne du bas. Donc pourquoi les tirer plus? Eh bien ici sur la ligne du bas, c'est tout simplement pour un petit peu insister sur la forme légèrement boule du gilet dû à la présence de pinces. Et au niveau des emmanchures et de l'encolure, c'est tout simplement pour compenser l'absence de droit fil thermocollant, ce que je vous suggère de mettre d'habitude sur les autres projets couture, puisque ça va permettre de bloquer ces lignes et éviter qu'elles se déforment. Parce que là, clairement, quoi qu'on fasse, l'emmanchure et l'encolure d'eau va avoir tendance à se déformer si elle n'est pas soutenue ou par un droit fil thermo ou par un biais un petit peu étiré comme ici. En revanche, faites très attention au niveau des arrondis comme celui-ci ou encore celui du bas. Là, il ne faut surtout pas étirer le biais. Au contraire, il faut le laisser assez lâche et il faut bien le positionner à la main avant, sur 3 à 4 cm avant de piquer, et il faut y aller très progressivement. Je vous invite à retourner au tout début de cette vidéo si vous avez à nouveau besoin de voir comment ganser. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à poser mes boutons pression ou à réaliser mes boutonnières sur le côté droit, donc ici. À noter que le gilet se croise sur 3 cm et que le centre des boutons se situe donc à 1,5 cm du bord. Et ensuite, je me réfère au patronage pour vérifier l'emplacement des boutons, puisque selon si vous avez choisi l'encolure A ou l'encolure B, le positionnement des boutons ne sera pas le même. Alors sur le patronage, vous trouverez le positionnement des boutons des extrémités. Ensuite, à vous de répartir les autres uniformément selon le nombre que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir commencer par tracer les boutonnières sur le côté droit, des boutonnières horizontales, sachant que le centre du bouton se situe à 2 mm de la fin de la boutonnière, qui est là. Et donc commencez par réaliser les boutonnières pour ensuite superposer donc les deux devants sur 3 cm et trouver précisément le positionnement des boutons avant de les piquer. À noter qu'il sera également possible de réaliser ce modèle sans doublure, et dans ce cas la doublure sera remplacée par une parementure, donc que j'ai coupée ici, qui permettra de solidifier tout simplement l'emplacement des boutonnières. Donc tout le montage sera identique, il faut simplement supprimer toutes les étapes qui concernent la doublure, et en remplacement de l'étape dans laquelle j'assemble la doublure à plat sur mon tissu, eh bien je vais remplacer par les étapes suivantes. Donc la première chose à faire, ça va être de ganser la ligne la plus droite de ma parementure, pardon. Et donc voilà la ligne la plus droite de ma parementure qui a été gancée. Donc à noter que cette parementure peut se couper au choix dans le tissu principal de votre gilet ou bien dans une doublure si le tissu est un peu trop épais, à vous de choisir. Donc là ici, moi j'ai choisi l'option doublure tout simplement parce que je n'avais plus assez de tissu. Voilà, une fois que la parementure est gancée, je vais pouvoir la positionner envers contre envers sur mon tissu, donc au niveau du devant qui a lui aussi été thermocollé. Donc je la positionne de cette façon. Attention, il y a un arrondi spécifique pour le haut et un arrondi spécifique pour le bas. Je l'épingle en place sur son pourtour. Et je vais tout simplement pouvoir venir la glacer. Donc c'est-à-dire piquer quelques points dans la marge de couture, simplement pour la maintenir bien en place. Ici, à ce niveau-là. Et donc voilà ma parementure qui a été glacée. Ensuite, si vous avez choisi l'option poche paysanne, il vous faudra ganser son pourtour puisque dans une version non doublée de ce gilet, la poche sera visible. Donc j'ai commencé par ganser le pourtour du sac de poche et ensuite j'ai gansé sa ligne la plus droite. Donc toujours pareil, hein, pour ganser, rendez-vous au tout début de cette vidéo. Ensuite, je continue le montage du gilet de la même façon que pour la version doublée et simplement une petite modification au niveau des coutures des épaules et des côtés, comme je l'ai déjà fait ici sur l'autre devant
que j'ai déjà assemblé au dos. J'ai gancé ici chaque extrémité des marges de couture, puisque là encore, dans une version non doublée, elles seront apparentes. Donc ça permet une finition bien plus jolie et plus nette. Donc même chose également sur les coutures des côtés. Et pour le reste, pas de modification avec la version doublée. Et voilà, votre gilet est maintenant terminé. J'espère que le modèle vous plaira et que vous avez appris plein de choses. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.